Things are right, you just know. There is something in your eyes that brings me home. Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I'm feeling, really mean it. I wanna shout it from the rooftop to the sky. Cause if you ever need a friend, you know I'll be. Et donc bonsoir à tous, ou bonjour forcément, comme d'habitude. On se retrouve ici à l'Allianz Stadium pour donc Juventus Virtus Entella, qui change donc un petit peu de nom, hein, forcément. Normalement, c'est censé être Novara Calcio, mais bon, il n'y a pas Novara Calcio sur PES, du coup, j'ai changé par Virtus Entella, une équipe qui est plus ou moins dans la même optimisation. Donc voilà. On va voir la Juventus, hein, la nouvelle Juventus de Monsieur Andrea Pirlo. Ici, pour ce donc premier match, la Juve à une semaine de la Serie A. Voici la compo la Juve avec Ronaldo, Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Arthur, Alexandro. On aura Rugani, Bonucci, Demiral et Chesney en 3-3-2-2. En gros, en 3-5-2 au total. Voici la compo du Virtus Entella avec De Luca, Mora, Cenetti, Desi, Mazzitelli, Settembrini, Zalla, on aura Pellizier, et en tout cas d'autres joueurs qu'on verra bien évidemment tout au long du match. 6 changements au total, c'est donc forcément un match amical. Hein, on s'attend un petit peu à voir un petit peu, enfin, justement, tous les joueurs de la Juve ou tous les joueurs de Virtus Entella jouer. Et c'est déjà parti avec Ronaldo qui perd déjà cette balle avec ce nouveau maillot, hein, pour la Juve, qui est, je trouve, assez joli. Hein, le retour des lignes de la Juve, magnifique Cuadrado. Kulusevski, magnifique tête de Kulusevski pour la Juve. Ah, c'est très très beau. Dejan Kulusevski, le joueur suédois, qui du coup marque déjà dans cette rencontre. Elle est très très belle, en plus la passe sur Cuadrado. Et la tête exceptionnelle, le joueur venu de la Parme. Le joueur parmesan qui du coup marque ici. Elle est très très belle, vraiment très très belle cette tête. Et voilà, donc la Juve qui prend déjà l'avantage. 1-0. Ça commence déjà très très bien pour cette nouvelle saison pour la Juve. De Luca. Ballon récupéré avec Adrien Rabiot qui est revenu bien en défense. Bentancur. Rabiot. Arthur. Arthur Melo. Le joueur du FC Barcelone, qui avait été attendu forcément au tournant, et voilà. C'est limite, je pense, un échange, hein, avec Pjanic. Ouais, c'était un échange Pjanic-Arthur Melo qui a été fait entre l'équipe de la Juve et l'équipe du FC Barcelone, qui va peut-être laisser aussi encore un joueur du FC Barcelone venir ici, dans cette compo d'Andrea Pirlo, l'un des plus gros attaquants américains, notamment Amérique du Sud, justement, c'est là où est le problème. C'est Luis Suarez qui devrait peut-être rejoindre Cristiano Ronaldo, Dybala et bien évidemment d'autres très très bons joueurs. Cette compo Bianconeri. Le ballon perdu. C'est du coup pour Dez, il décolle. De colle. Novara Calcio qui joue appel, joue normalement en série C, donc c'est la réponse à pourquoi il n'y a pas Novara Calcio qui joue contre la Juve ici. Virtuellement, c'est Virtus Entella qui, je pense, retombe en série C, justement, Virtus Entella. Et Novara Calcio qui monte en série B. Encore une fois, si je ne me trompe pas. Le ballon pour Rugani.
ça joue bien avec Merih Demiral, le joueur qui a été blessé toute la saison. C'est la même chose pour l'équipe de l'AS Roma avec Nicolò Zaniolo. C'est une question de blessure. C'était cruciate ligament croisé. Donc forcément, hein, c'est une blessure qui prend très énormément même, voire toute la saison, hein, qui sait. Voilà, c'est une blessure qui est très très longue à soigner et forcément du repos et encore du repos forcé pour certains joueurs qui ont le cruciate ligament croisé. Cristiano Ronaldo, oh, magnifique, magnifique cette frappe pour le joueur de la Juve. Et voilà, Cristiano Ronaldo qui marque ici. Et encore une fois, célébration assez intéressante avec Kulusevski. Elle est belle. En plus, je pense que c'est Kulusevski qui fait la passe décisive. On va voir tout ça au ralenti. Ouais, passe décisive de Kulusevski et Ronaldo qui marque. Ouais. Qui frappe et le gardien n'a plus absolument rien à faire. Hein. Ça, forcément. Frappe à une vitesse phénoménale. Oh, regardez-moi ça, magnifique. Et je pense qu'elle est même un peu lobée. Hein. Et voilà, donc 2-0 ici. Entre la Juve et l'équipe de Virtus Entella. Avec Desi, décolle. Ouais, ballon. Qui sera donc en touche pour Virtus Entella. Décolle. Tant qu'on y est avec les nouveaux joueurs, Weston McKennie qui est donc sur le banc. L'ancien joueur de Schalke 04. Qui, je trouve, a fait une très très belle saison, même si bon, c'est pas l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Il a quand même fait, je trouve, une très très belle saison avec Schalke 04. Plus de 15 buts au compteur avec l'équipe de Schalke. Et aussi, je pense que c'est l'un des meilleurs jeunes en Bundesliga la saison dernière notamment. Tandis que Arthur Melo est en train de faire le corner. Arthur. La tête. Et voilà, magnifique, magnifique. Cette tête-là de Bentancur. Le numéro 30, Bianconeri. Rodrigo Bentancur, qui du coup marque un triplé. Enfin, marque 3-0. 3 pour la Juve, 0 pour Virtus Entella. Ouais, le centre aussi d'Arthur est magnifique. Centre corner sublime. Et puis la tête qui dépose ce ballon vraiment à ras du poteau. Et voilà, donc 3-0 ici pour ce petit match amical de pré-saison. En vous rappelant que la Serie A reprend la semaine prochaine. Avec de très très belles affiches. Pour commencer, on aura donc déjà Juve Sampdoria. Et je vais regarder aussi pour les autres matchs. Ouais, ballon perdu. Pour la Virtus Entella. Ballon récupéré avec Bonucci. Demiral, Cuadrado, Bentancur. Voilà, c'est beau ça. Kulusevski, Ronaldo avec une frappe encore de Kulusevski. Ce ballon qui, du coup, j'ai cru qu'il allait sortir, mais pas du tout. Ce ballon récupéré pour la Juve encore une fois. Rabiot avec Cuadrado sur l'aile. Ça c'est beau, c'est joli, c'est bien fait. Cuadrado qui pourrait même centrer. La tête magnifique de Kulusevski. Le meilleur jeune en Serie A pour la saison 2019-2020. Il avait été élu effectivement meilleur jeune avec plus de 10 buts au total. Donc c'est déjà exceptionnel.
Mais son palmarès pourrait augmenter avec la Juve, forcément. Hein. C'est une équipe à palmarès. Cette équipe Bianconeri. Ouais, c'est bien joli. Ça vient encore un petit peu en arrière, hein, un peu trop en arrière même. Joueurs Bianconeri qui n'ont pas réussi à revenir comme il le fallait. Ouais, le ballon perdu. Ouais, donc pour le. Donc, comme j'ai dit, pour les matchs que je vais faire, on aura donc Fiorentina Torino. Éventuellement Parma Napoli. Le corner, attention. Parma Napoli. Ensuite, on aura donc. Forcément, Juve Sampdoria, donc le premier match de la Juve à l'Allianz Stadium en plus. Donc, ça serait vraiment intéressant de marquer et de gagner ce match. Pourquoi pas pour la Juve, pour montrer un petit peu l'efficacité de cette équipe Bianconeri qui est exceptionnelle. Ensuite, ben voilà. On a Milan-Bologne. Ah, c'est bien joli ça pour Ronaldo avec Kulusevski, Kulusevski Cuadrado. Lazio-Atalanta, un très très beau match aussi. Ouais, le ballon perdu, attention. Cette balle pour ouais, personne. Par contre, il y avait attaque là. Donc ça sera bien, bel et bien les matchs. Donc je vous les rappelle, hein, les matchs. Lazio-Atalanta, Milan-Bologne, Juve. Sampdoria, Parma, Napoli et Fiorentina, Torino. Donc ça sera les 5 matchs pour la semaine prochaine. Bien évidemment, n'hésitez pas à les voir. Ça peut être assez sympa. L'amiral. Cuadrado, ouais, non, le ballon pour personne. Ouais, toujours pour Cuadrado, ça s'est bien récupéré. La frappe, et voilà, Rodrigo Bentancur qui, je pense, marque un doublé dans cette rencontre. Voilà, Bentancur qui sollicite son équipe, 4-0. 4-0 en tout cas. Sur une belle passe là de Cuadrado. Elle est belle, elle est très très belle. Et voilà, donc les Bianconeri qui prennent un peu plus avantage que 4-0 au total. La frappe, l'arrêt, magnifique. On s'arrête pas en si bon chemin avec Adrien Rabiot. C'est pas fini, Arthur. Kulusevski. Alexandro, oh, magnifique ça sur l'aile. Ronaldo, ouais, exceptionnel. Ronaldo, oh la frappe! Oh la frappe, si on avait pu faire but, ça aurait été exceptionnel. Changement annoncé, premier changement déjà, Juan Cuadrado qui du coup cède sa place à Federico Bernardes qui. Le joueur qui était normalement censé être blessé, qui revient un petit peu de blessure. Il a plus l'air d'être trop blessé, donc Andrea Pirlo a décidé de laisser jouer pour ce match amical. On ne sait toujours pas s'il va jouer le match de saison. Le premier match de cette nouvelle saison. Ouais, le ballon perdu. C'est joli, ça Kulusevski avec Bernardeschi qui. Ça continue sur Cristiano Ronaldo avec Rabiot. Ouais, il a tenté la frappe, hein, Ronaldo.
Un seul ballon sur Bentancourt. Ça continue. Ah, Bernardes qui est, voilà, le but de Bernardes qui 5 à 0. Un petit match amical assez sympathique, voire de nombreux buts. Elle est superbe cette frappe. Hein, ça peut absolument rien faire. Pile dans l'axe. L'axe sublime. Et puis forcément la frappe qui vient juste après. C'est très très joli. En tout cas, et ça fait beaucoup hein, pour la Juve. Ça fait donc 5 à 0. 5 à 0. Kulusevski, Ronaldo avec Kulusevski encore, Bernardeschi, le ballon, le centre, la tête, voilà la tête de Ronaldo qui passe 1 mm du goal. Décidément pas de chance, pas de chance. C'est très très beau aussi ce déplacement latéral là de Kulusevski. Qui du coup a déposé un ballon exceptionnel. Le tag de la surface est penalty. Penalty. Effectivement, monsieur l'arbitre. Qui va effectivement sanctionner ce genre de tacle. Ouais, c'est effectivement. Tacle bel et bien sanctionné et bel et bien mérité. Le penalty donc. Et changement annoncé, Rodrigo Bentancourt qui cède sa place à Weston McKenney. Comme j'ai dit, le joueur qui allait rentrer, qui devait rentrer. Oh, la reprise! La reprise qui aurait pu faire but là aussi. Wow, on va revoir tout ça au ralenti. Le penalty et puis... Ouais, le pénalty raté et puis cette reprise de volée un peu ratée. En tout cas, comme j'ai dit, Weston McKennie qui est rentré. On va voir si ça va faire quelque chose de nouveau hein, dans cette équipe bianconeri. Avec Chesney, Bonucci, on est reparti avec Weston McKennie qui touche au premier ballon ici sous les couleurs bianconeri. Rabiot, Weston McKennie. McKennie, c'est pour Mairie d'Emiral. Bernardeschi. Kulusevski. Kulusevski pour Bernardeschi. Oh, le centre de Bernardeschi. La tête de Ronaldo. Et c'est fait. 6-0. J'allais dire doublé. Ouais, ben c'est doublé, oui. Doublé de Cristiano Ronaldo. Exceptionnel. À 2 minutes de la fin de cette première période. Qui ont été rajoutés par monsieur l'arbitre. Une action qui démarre justement de Weston McKennie, hein, justement le joueur venu de Schalke 04. Le joueur qui a été très très attendu et qui est dans une action assez incroyable. Le centre de Bernardes qui montre toute l'efficacité bianconeri. Et puis on a Ronaldo hein, qui vient mettre cette tête imparable pour le gardien. Ça fait donc 6-0. Ça commence à faire beaucoup hein, pour les bianconeri. Mais bon, c'est un match amical, donc on s'en fout un petit peu du score. Donc il y a des buts, on aime ça, hein, les buts. Attention, Kulusevski, peut-être le but. Oh, Kulusevski qui rate cette frappe. Ce ballon qui revient sur les pieds de Virtus. Et c'est fini, 6-0. Cette première période qui s'achève donc ici à l'Allianz Stadium. Le premier match, hein, l'Allianz Stadium justement. Le premier match pour la saison prochaine. On peut voir 59% de possession pour la Juve. Sur 41 pour Virtus Entella. Et en tout cas, c'est un très très beau match. Hein. C'est un très très beau match. Et on va passer à la seconde période. C'est parti. Sei zero.
pour donc la Juve en cette première période, deuxième période qui démarre à l'instant. Avec l'interception à Bianconeri, avec Rabiot. Oh, Rabiot exceptionnel. Elle est exceptionnelle, cette passe. Adrien Rabiot. Weston McKennie. McKennie, oh, McKennie qui a tenté de revenir vers le but. Et ce ballon pour Alexandro avec Rugani qui peut centrer, ouais, c'est plutôt sur Rabiot. Rabiot avec Kulusevski. Kulusevski qui peut revenir. Ah, la frappe bien défendue par Virtus Entella. Ah, c'est très très joli. Hein. La Juve qui met un pressing assez intéressant. Oh, la frappe en pleine tête. Là de Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski, le corner pour la Juve avec Arthur Melo. La tête, peut-être de Ronaldo. Là, ça continue. Ronaldo qui a la balle. Oh, la frappe encore. Ce ballon qui revient sur Bonucci. Bon, ça, c'est joli. Arthur. Alexandro, ballon perdu. De Luca qui continue. Weston McKennie. Ronaldo ouais, qui manque son contrôle. C'est du coup pour Contini. Le gardien de Virtus Entella. Ronaldo exceptionnel qui avait marqué, je vous rappelle, deux buts avec l'équipe nationale portugaise. Face à l'équipe suédoise, je pense. Ouais, c'était l'équipe suédoise. Il fait un très très beau match, hein, Cristiano Ronaldo. Il a marqué son 101e but. Et surtout son 100e but, hein, ça c'est le plus important. Il a passé le cap des 100 buts. Il y a maintenant un 101 but. Ah, voilà, Kulusevski qui marque. Un 7e but pour la Juve. Et un doublé pour sa part. À la passe de Rabiot ouais, qui est passé tout juste. Extérieur du pied sublime. Et puis hop la frappe de Kulusevski. Ce qui fait donc 7 à 0. Ça continue, c'est joli, hein, ces passes d'incursion. Maintenant, Ronaldo qui rate un peu sa passe de colle. Rugani avec Alexandro. Ah, sublime. Rabiot, peut-être pour Alexandro. Ronaldo sur Rabiot. Rabiot qui tente le centre. La tête de Ronaldo. Encore un peu à côté. Un changement qui a été annoncé. C'est Dejan Kulusevski hein, qui cède sa place à Paulo Dybala. La Roya qui donc va quand même rentrer dans cette rencontre. Comme ça on va voir un petit peu de toutes les couleurs. On voit de l'italien, du portugais, de l'argentin. Et voilà encore une fois un portugais exceptionnel, voilà Cristiano Ronaldo qui marque un triplé pour sa part.
Changement annoncé, notamment pour la Juve, Daniel Rogani, qui du coup cède sa place à Luca Pellegrini. Luca Pellegrini qui donc rentre ici. Ouais non, ballon perdu. Oh la frappe, oh, le ballon qui passe au-dessus de la barre de Chesney. De Luca hein, qui rate sa frappe, ça allait bien. Ouais, on est reparti. Luca Pellegrini qui touche un de ses premiers ballons ici avec la composition à Pirlo. Alors, Ronaldo, le ballon pour Paulo Dybala, Bernardeschi. Le ballon pour Luca Pellegrini. C'est joli, ça continue. Pellegrini. Ça tente de jouer dans l'espace. Copolat avec De Gaulle. Arthur. Ah, magnifique ballon pour Adrien Rabiot. Rabiot pour Cristiano Ronaldo. La frappe. Oh le ballon. La frappe de Paulo Dybala. Ah, c'était pas loin. C'était pas loin du tout. Ça aurait pu faire très très mal. Changement annoncé, Mora Mancosu pour l'équipe de Virtus Entella. Et aussi un des autres joueurs qui a été retenu par l'équipe, par la composition de Pirlo, c'est notamment Olivier Giroud. Car si Luis Suarez ne serait pas acheté, eh ben, la Juve achèterait non seulement Olivier Giroud, mais en plus Paul Pogba, donc deux joueurs français qui pourraient faire la différence ici avec la Juve. Deux attaquants, bon certes, il y a quand même de très très bons attaquants ici, hein, la Juve n'en a pas beaucoup besoin, notamment sur l'aile, hein, parce que Paul Pogba est avant tout, je pense, un ailier et un milieu, donc ouais. À voir, franchement, affaire à suivre. Histoire Paul Pogba et Olivier Giroud, ça sera à suivre. Ah, le ballon pour Adrien Rabiot. Rabiot, il essaie de faire sur Ronaldo avec Paulo Dybala. Dybala sur Bernardeschi. Bernardeschi sur l'aile. Ça joue bien hein, sur l'aile. Ouais, ballon perdu. Et on voulait les. Continue, le ballon pour Chesney. Alexandre. Weston McKennie. Dybala. Bernardeschi. Arthur. Ça joue dans l'espace magnifique. Cristiano Ronaldo, Dybala. Ronaldo encore une fois, la frappe et voilà le but. Quadruplé pour Cristiano. Ouais, exceptionnel. Exceptionnel Cristiano Ronaldo. Qui encore une fois fait un match à lui tout seul, hein, Ronaldo. S'il marque encore un but, il va marquer quasiment la moitié des buts à la Juve pour cette rencontre. Le
elle est belle. Une carne basse. Et voilà, CR7 qui marque encore et toujours, comme d'habitude. Chianetti, changement annoncé avec Adorian. J'ai l'impression, hein, personnellement, que... En tout cas, c'est mon avis personnel. Même si, bon, il n'est pas non plus transcendant, hein, comme au Real Madrid, hein, où est-ce qu'il marquait quasiment toutes les semaines. Ici, il marque un peu moins, mais il marque quand même. Hein, il marque quand même, en plus de très très beaux buts. Alors, encore une fois, et Ronaldo, voilà. Cristiano Ronaldo qui marque 5 buts dans cette rencontre. Et qui marque la quasi-totalité des buts à la Juve pour cette rencontre. Et les Bianconeri qui laissent même pas l'équipe adverse jouer. Et ils ont 0 but, hein, l'équipe de Virtus Entella. Exceptionnel, exceptionnel cette action. Et c'est très très joli. Voilà donc ce match ici au domaine Juventini. Cette équipe piémontaise qui du coup fait extrêmement mal à son équipe adverse. Moi ça, les passes magnifiques qui passent très très bien. Oh, le tacle par derrière, ça peut être sanctionné, carton jaune ou carton rouge. Oh, carton jaune pour Luca Pellegrini. Ouais, le tacle de Luca Pellegrini sur Mancosu. Ça joue avec Daisy, la frappe et l'arrêt de Chesney. L'un des premiers arrêts, hein, de Chesney dans cette rencontre. Il n'a pas eu grand-chose à faire aujourd'hui, Chesney. Rabiot, magnifique ballon, très très long pour Alexandro, même un peu trop long. Oh, le ballon qui sort pas, magnifique. Oh, le centre, oh, il est très très joli, hein, ce centre. Daisy. Avec peut-être personne, quoique, quand Mancosu. La touche, oui, pour Virtus Entella, et d'ailleurs changement, De Luca. Les deux frères, un des frères sort et un des frères rentre. Marco De Luca qui rentre et l'autre frère De Luca qui sort. Ronaldo sur Alexandro. Pellegrini avec Alexandro, le ballon perdu. De Cole, Copolaro, Daisy, De Cole. Ça joue bien avec Myric Demiral. Ça continue pour Dybala. Il reste quelques minutes maintenant. Peut-être du temps additionnel, on ne sait pas. Il n'y a pas eu grand-chose. Si moi, par les buts, voilà, il n'y a pas eu énormément de temps d'arrêt de jeu. Alexandre. 3 minutes de temps additionnel. Oh, Ronaldo qui continue. Ronaldo, c'est pas fini. Ronaldo, encore une fois, la frappe. Oh, Il a tenté très très bien cette frappe là, Ronaldo. Il y avait Weston McKennie, hein, qui était présent aussi proche du but.
Weston McKennie qu'on n'a pas vu beaucoup en ce moment, dans cette rencontre notamment. On dit que la rencontre va bientôt se terminer. Cette fin de match ici à l'Allianz Stadium entre donc je vous rappelle la Juve et Virtus Entella avec Rabiot, Alexandro. Bon, ça continue, c'est pas fini. Ronaldo avec Rabiot encore. Rabiot, la frappe qui aurait pu faire but et c'est fini. 2-0, 10-0. 2-0, c'était pas beaucoup. 10-0. 10-0. Au total, la Juve qui a fait un véritable massacre, un braquage ici au stade de l'Allianz Arena, de l'Allianz Stadium, pardon. Et donc on se quitte, on se retrouvera bien évidemment pour un prochain match et à tous. Like a shadow, you and me, friends are brothers. Like a shadow.